ないようにも空もない思い。帰りにないようにも空もない Where's the light to stay? やむわらなさがり遥かに明日やこれくらいのやまに de partout dans le monde entier, là où vous me suivez, en ces notes moments. Alors la famille, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa, notre star internationale de la nationalité congolaise. Qui est Fally Ipupa au fait? Pour commencer, Fally Ipupa est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Zaïre, donc la RDC. Il est auteur, compositeur, interprète, danseur et producteur congolais, aussi ambassadeur de l'UNICEF. Et notre star Fally Ipupa a plusieurs surnoms tels que Anelka, Dicap la Merveille, El Mara, El Rai Mago, trois fois Arsle de King, El Professeur ou Aigle Mobutu, El Pib, El Magnifico et autres. Il joue plusieurs styles musicaux tels que Ndombolo, Rumba, Soukous, Afropop, Tokos Music et j'en passe. Débutant dans le chant, dans le divers petits groupes de rue, sans oublier les groupes folkloriques Kubindakoy, il se fait remarquer par Koffi Olomide qui l'intègre à son groupe Quartier Latin dans lequel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Obu Music et il fait paraître son premier album « Droit chemin ». Déjà, titulaire des succès internationaux avec des chansons world telles que « Chaise électrique » avec Olivia, « Sexy Dance » avec Chris et « Sweet Life », il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec les cris « Hello Koyo » atteignant plus de 70 millions Fally de vues. Fally Ipupa est le premier musicien congolais chantant en Lingala à atteindre ce nombre de vues.
Wow. En 2020, il fait partie de 50 Africains le plus influents dans le classement publié par le Jeune Afrique. Alors, son 7e album solo et dernier album à ses jours, Formule 7, est sorti le 16 décembre 2022 avec des titres tels que Bloqué, Science Fiction, CEO, Garde du cœur en featuring avec Charlotte Dipanda et autres. Retournons un peu en arrière la famille. En 1998, il rejoint le groupe créé par Moussa Malanda et Faustin Djata qui n'étaient pas vraiment de musiciens. Fally devient chef du groupe, malgré la présence d'Eric Touti, qui, coïncidence, se retrouve quelques années plus tard ensemble au sein du groupe Quartier Latin de Koffi Olomidi. Dans ce groupe Talent Latin, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atele Kunyanga Pichu Luzolo ainsi que les Atalaku Jantamisine Lissimo en provenance de l'Antichoc et le défunt cellulaire Yankobo. Et au fil du temps, après avoir obtenu le diplôme d'état équivalent du baccalauréat français, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé à l'œuvre « On connaît l'artiste ». Enregistré en 1998 et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète la chanson « Courte joie ». Notre musicien Fally Ipupa était tout de même motivé pour sortir un deuxième album avec le groupe, mais malheureusement de l'autre côté, au sein du quartier latin de Koffi Olomidé, plusieurs musiciens ont quitté le groupe pour aller créer le quartier latin Academia à Paris. Le fameux groupe sera dirigé par Sam Chintu, Modogo Abarambwa, Buropela, Somono, Dolce Parabolique, Mboshi Lipasa, Lebukabuya, Papa Chanti Misapia Pembe et Patti Basse. Or, Faustin Djata, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally Ipupa à Koffi Olomidé. Ce dernier, à la recherche de nouveaux membres pour son groupe, Koffi Olomidé, agréablement surpris et très admiratif du talent de Fally Ipupa, donnera une bonne somme d'ailleurs d'argent à Faustin Djata pour récupérer Fally et l'intégrer dans son groupe. Ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher en référence à Nicolas Anelka qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, équivalent de 34 millions d'euros à notre époque. Dinguerie. Fally Ipupa intègre le groupe en mai 1999. Cette rencontre clé scellait le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron, Koffi Olomidé. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les admirateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour les concerts à Bercy. Quelques temps après, Koffi Olomidé sort et VHC annonce son concert à Bercy avec la participation de son groupe Efali. De loin, le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe avant ses concerts, il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Koffi. Enregistré en Afrique du Sud, on entend la voix de Fally Ipupa sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe, Number One, Nul ne parfait, Caméléon et Kamushima. Il était celui qu'on entendait sa voix partout dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi Olomidé avait envers lui. Puis vient le 19 février 2000, le concert de Koffi Olomidé à Bercy. Durant les concerts, il était celui qui obtenait le meilleur accueil et Koffi le présentait, même en le laissant exécuter le pas de danse solo avec beaucoup plus d'honneur que le reste de musiciens. Après Attentat et Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe
comprenant 12 titres où Fally signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qu'il composera avec Willy Boula. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopa Omokondji et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le plaça chef de l'orchestre Quartier Latin avec le soliste Fally Tyson. En 2003, il signe la chanson Coco, 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 Coco dans le double album du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD 2. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe où il est le seul chanteur à placer un vocal dans l'album Epucha. Entre 2005 et 2006, il participe à la préparation du prochain album du groupe intitulé Danger de mort, tout en ayant pour projet de réaliser son premier album studio. Dans un premier temps, Fally Ipupa avait gardé ses projets privés. Et un bon jour, le musicien décida d'annoncer ses projets à Koffi Olomide et à tout le groupe. L'idée que Koffi Olomide avait refusée dès le départ. Alors, très peu de ses camarades musiciens étaient d'accord avec lui. Et le reste craignait la réaction de leur patron Koffi Olomide, ce qui est tout à fait normal. Le musicien qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally Ipupa. Cette affaire avait suivi beaucoup de négociations en privé avec de personnes influentes du Quartier Latin et le camp de Fally Ipupa qui lui conseille de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment de titres associés, Liputa, Attentat, Orgazi, Pharmacien. Pour constituer son premier album et placer simultanément un titre dans l'album du groupe, il décide au départ de placer associé dans l'album du groupe, mais se rétracte et la conserve pour son premier album solo et la remplace par Pharmacien. À la grande surprise, dans une interview avec Nati Lokolé, le musicien annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé « Droit chemin ». Tout en étant dans le groupe Quartier Latin, il signe chez Obu Music, label du jeune Ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars telles que son mentor Koffi Olomide, Molar ou encore Lino Versa. Ces derniers étant en conflit avec Koffi Olomide sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et il n'y participe pas. Alors, beaucoup de personnes, dont de musiciens du Quartier Latin, essayent de convaincre Fally d'abandonner ses projets puisque, à cette époque, seul le grand leader obtienne un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement têtue et très confiante, il avait fermé ses oreilles pour ne pas écouter de propositions négatives et continuer son idée avec succès. Enfin, il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du Quartier Latin et l'arrangère Maïka Mouna et enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront mises sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec le travaux de l'album du groupe Danger des morts. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit chemin fait l'unanimité de sa sortie et connaît un succès fulgurant
quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur les prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2006. Césaire de la musique et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier musicien congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. En 2007, Droit Chemin est l'album le plus vendu de Fally Ipupa en France avec plus de 100 000 exemplaires vendus et certifié disque d'or. Waouh! La même année, il commence les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord son titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album nommé Cadena dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris dans le même studio que son précédent album. L'Arsenal de Ben. Master B.